Alors. Effectivement, les châteaux sont buggés, visiblement. Je viens de me faire pulvériser. C'est un peu dommage que les châteaux soient buggés. Un peu bizarre. Pourtant, ça marchait nickel la semaine dernière, donc je suis un peu surpris de voir ça. Tout le monde est mort. Quand même, bah, écoute, c'est un point pour moi, c'est toujours ça. Toujours ça de prix. Ça c'est une bonne chose de fait. Balancer ce flingue. Ah, on a eu la même idée, mais t'étais trop loin, mon vieux. Oh, faut pas que je reste là. Ok, oui, j'aurais pas dû descendre. J'aurais pas dû descendre. Ce flingue-là, il est pas mal, mais il est un peu 100 ans à recharger, donc faut. Faire gaffe, oh je me suis fait abattre. Je me suis fait abattre comme une daube. Masco qui dit j'ai arrêté le Splinter Cell il y a un moment. Ouais, ça fait un bout de temps également que j'ai pas joué au Splinter Cell. Quoi qu'on m'a dit que le dernier était pas nécessairement le pire Splinter Cell de l'histoire. C'est une série qui a quand même perdu pas mal de son standing, j'aurais tendance à dire, Splinter Cell. Dans l'absolu. Oh, le sniper. Je vais me faire avoir. Oh, faut pas que je reste là. Le fusil à pompe qu'il a, il est très cool, là, en plus. Shit, j'ai plus de balles. Ah, mange. Parfait. Parfait. Pascal Brutal sur le chat qui dit j'ai rien compris au prochain Hitman, machin en ligne mais en épisode. Ouais, je dois avouer que j'ai pas exactement suivi non plus ce qu'ils étaient en train d'essayer de faire avec Hitman. Je suis un peu circonspect. J'ai tendance à m'en méfier. J'ai tendance à ne pas exactement leur faire confiance sur Hitman, je veux dire. Le dernier était vraiment pas spécialement bon, je me suis fait transonner. Le dernier était vraiment pas spécialement bon de Hitman, donc je sais pas si j'aurais tendance à être très optimiste sur la suite. Non, j'ai failli me flinguer avec ma propre grenade. Ce qui est rarement idéal. Oh, joli tir, Sikre, joli tir. Il m'a éjecté de la carte. Y'en a un coup qui dit Absolution, je le hais, mais d'une force, ouais, j'aurais tendance à être d'un avis assez similaire, il était assez mauvais, la narration était nulle à chier, et le gameplay était pas nécessairement très intéressant non plus. C'était un très joli jeu, donc voilà, c'était joli, mais ça faisait pas grand chose de glorieux. Je me rappelle beaucoup d'ailleurs de Absolution pour la bonne raison que la RP de... Oh, ça c'est pas une bonne nouvelle. La RP de Square Enix avait appelé... la rédac juste avant le test pour savoir si c'était moi qui le testais parce qu'elle avait peur que je le massacre sur le test. Ce qui était probablement une impression relativement valable de sa part, j'aurais tendance à dire, vu que je l'aurais probablement massacré. Voilà toi. Ah, reviens! Chut! Enfin, je vais arriver à le balancer, hein, ces jours. Hé hé hé, j'ai rechargé plus vite que toi. J'ai rechargé plus vite que toi. Eh, ça c'était rentable. Ah, ça c'était pas rentable. C'est qu'il a l'air de bien se démerder avec le lance-filet, mais il s'est un peu ouné tout seul dans... dans les pics, là. C'est un peu où on est tout seul dans les pics. Oh, on s'entretient.
C'est cramé le point juste avant de mourir. Salut Red Anonymous sur le chat. Alors, premier round. Je crois que c'est Cycre en orange. Il me semble, du moins. Je mène au score avec 5 points. Petit Barbu est deuxième avec 4. Cycre à 1 point et Aseb à 0 pour l'instant. On va voir comment ça se goupille tout ça. Ouais, ça c'était pas une bonne idée de ma part. Je ne sais même pas ce qui m'est arrivé là, j'ai marché sur une mine peut-être. J'ai pas vu comment je suis mort. Aldamir qui demande s'il y aura du Killing Floor 2 aujourd'hui, c'est possible, peut-être après Sonic. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Je peux tout à fait le faire. Ouh, le minigun, mais je crois que ouais, tu vas mourir brûlé, et on est tous morts brûlés, donc c'était pas vraiment un round très rentable, j'aurais tendance à dire ça. On va rester là. Ça dégage. Ah, j'ai plus de balles. Vraiment pas une bonne nouvelle. Vraiment pas une bonne nouvelle, y'aurait pas genre une arme quelque part? J'aimerais bien genre un outil si possible. Je suis un peu dans la merde là. Mais vite! Ok, j'ai réussi à me démerder pour m'en sortir relativement bien. Le col. C'est pas se honner avec ma propre grenade, c'est possible, je me suis fait piéger. Sors de là, sors de là, sors de là. Piégeur piégé, mec! Tu ne peux pas arrêter. L'homme au lance-filet. Oh, je déteste ce flingue. Je déteste ce flingue. Voilà, donc Cycre m'a tué, mais c'est tué tout seul aussi, visiblement. Ce qui est... C'est impressionnant, je suis vraiment pas fan de ce flingue. Première victime. Tout à fait rentable. Le magnum là qui est au milieu, celui-là, là, il est vraiment fun. Vraiment fun comme, comme flingue. Ah, on s'est entretué avec Aseb. Et, ah non, je crois que c'était Aseb qui était en bas, donc je sais pas qui c'est qui m'a tué en haut. Le magnum peut tirer à travers les portes au passage, ce qui est parfois assez rentable. Ça, c'était une jolie grenade. Très jolie grenade. Et je me suis foutu le feu tout seul comme un connard. Ce qui était pas très intelligent de ma part. J'aurais dû essayer de me mouiller pour me sortir des flammes. Ouais, j'ai visiblement eu quelqu'un avec mon tromblon. Hein. Ok, mais écoute, c'était relativement rentable tout ça. C'était relativement rentable pour moi. Ne joue pas avec les explosifs, messieurs. Ouais. J'ai raté tout le monde avec ça. Ça, c'était plus rentable. Non ! Je me suis jeté dans le vide encore. C'était pas très très intelligent de ma part. Alors, voyons voir où on en est dans l'intermission. Donc, Aseb est toujours à 0. Petit Barbu est à 7 points. Et je suis à 9. Secret à 2 apparemment. Donc c'est Petit Barbu qui est orange et non Secret. Vraiment ce que je pensais.
Il reste que Haseb à l'étage. Et armé d'un Tech 9. Ça n'a pas suffi, mec! Ça n'a pas suffi. Oh, cette map, elle est toujours très étrange. Toujours très très bizarre. Ah, je me suis fait avoir par Sikr. C'est lui-même fait avoir par Haseb. Oh, ça, c'est la carte la plus subtile de l'univers. Et je me suis fait grenader. Et c'est visiblement Sikr qui a réussi à survivre. Je dois avouer que cette carte-là, c'est une carte assez étrange. Donc là, c'est vraiment de la merde. Je dois dire. Ouais, le lance-filet va moyennement me servir ici, honnêtement. Je vois pas trop comment me tuer avant de faire ça. Ok, je l'avais jamais eu ce gros fusil laser là, il a l'air d'être relativement rentable. J'aurais tendance à en être assez fan. Oh la grenade, c'était bien joué. Crever, oui. Tu vas crever. Oh, joli tir de la part de Sikr qui a dégainé plus vite que moi là-dessus. Oh, j'ai jamais vu ce flingue qu'il a, Barbu, là. L'espèce d'AK-47. Il y a pas mal de flingues dans ce jeu, c'est vraiment cool. Et je trouve également que la variété des armes est vraiment chicose. La variété des niveaux, pardon. Tu tombes vraiment assez rarement sur le même enchaînement de cartes. Ce qui veut dire que t'as quand même un minimum de variété dans ce que tu fais. C'était le meilleur lancement de grenade que j'ai fait de mon histoire, ça. Quoi, ça? Aïe, mais écoute, j'étais en train de regarder ce que j'étais en train de ramasser et je me suis fait abattre dans le dos, du coup. Ce qui était relativement malin de ma part. Non, ne te grenade pas tout seul. Tu fais tronçonner la gueule. Bon, cette scène d'apocalypse, là, dis donc. Ouais, donc c'est Barbu qui l'emporte, là, tu sais. Là, j'ai le pistolet de contrôle mental. Parfait! Donc ce pistolet permet de contrôler l'esprit des gens que tu affrontes. Ce qui est évidemment extrêmement utile, n'est-ce pas, pour les balancer dans le vide. Parfait, Barbu, il s'est fait terrasser. Intermission. Donc je pense que soit moi, soit Barbu avons gagné. Là. Donc Haseb est monté à 2 points. Barbu est monté à 9. Ouais, j'ai probablement gagné le match, je pense. Sikr est monté à 3. Et je suis à 14, donc j'ai effectivement gagné. Mais oui, la foule est en délire, la foule est en délire. Eh, hey, que c'est qu'a volé mon trophée là? Reviens, pourriture. Reviens, pourriture. J'ai changé de chapeau, ça vous dérange pas, les gars? Je suis pas très fan de ce chapeau là. Je vais reprendre mon chapeau de dinosaure. C'est quand même bizarre le bug des chapeaux là, je dois dire. C'est vraiment pas idéal. Donc Haseb va être le Super Saiyan, Barbu va être le Barbu comme d'habitude, et Sikr est l'homme avec le sac sur la tête. L'homme avec le sac sur la tête.
Oh, je me suis fait abattre d'une balle dans la tête par Sikre qui s'est fait intercepter par Barbu 2 secondes après, et je crois qu'Aseb s'est tué tout seul. Ce qui est tout à fait problématique. Ok. Une balle, 3 morts. Ça vous l'a fait, les mecs. C'est vraiment bizarre ce bug des masques. Je demande quel est le problème. Faut que je fasse gaffe à pas me cramer tout seul. Dès que j'ai un lance-flamme dans le jeu, je me crame tout seul, donc faut que je fasse gaffe. Ok, parfait. Encore une victoire de canard! Cette map-là, elle est parfois problématique. Oh, avec Sikre, on a dégainé au même endroit. Disons que Barbu, il a l'air fun ton fusil à pompe, là. On a dégainé au même moment avec Sikre, on s'est fumé la gueule tous les deux. Oh, cette carte-là, elle est très cruelle. Non! Oh. Je me suis balancé dans le vide avec le recul du lance-filet. Ce qui n'était pas idéal. Pas idéal du tout. Et j'ai plus de balles. J'ai plus de balles, j'ai plus de balles. J'aimerais bien avoir un flingue, mais j'ai plus de balles. Pas avoir de balles, c'est pas vraiment de la balle. Heure pour pourriture communiste. On va aller se prendre le Techman qui est là-haut. Toi, t'aurais pas dû monter, toi non plus. J'ai à court de munitions, ça l'a dit. Et voilà! Bah, dis donc, c'était relativement rapide tout ça. C'était relativement efficace. Elle ouvre quoi la clé exactement? Elle ouvre ça. Un peu. Mon arme favorite, probablement le Magnum. Eh, t'aurais pas dû dégainer, mon vieux, t'aurais pas dû dégainer. Butcher qui demande, est-ce que ce brave Shoka attend le prochain Fallout? J'aurais tendance à dire que je suis prudemment enthousiaste sur le prochain Fallout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je t'ai touché, t'es pas mort. Je pense que le gros laser est pas nécessairement la meilleure arme ici, en fait. Je sais même pas comment je me suis tué, là. Je ne sais pas. Le gros laser est pas idéal ici, je pense. Ouh, abattu par Petit Barbu avec la pire arme de l'univers. Ce mec-là... Ah oui, je connais ce mec-là, il est pas mal. Il est pas mal. Et... Ouh, Asem en embuscade, là. Personne ne prêtait attention à sa présence sur la gauche. Et il est arrivé avec le Techne... le... non, le 1911. Pour buter tout le monde. Donc Petit Barbu 2 points, Sikre 1 point, moi 5 points, et Aseb 2 points. Parfait. Pascal Brutal qui demande ce qu'il va y avoir comme surprise à la Gamescom. Bah, j'ai cru comprendre que certains éditeurs et constructeurs avaient gardé certains de leurs jeux pour la Gamescom, notamment Remedy. Ah bah ça tournait au massacre ça. Donc peut-être qu'il y aura des trucs intéressants à la Gamescom. Faut vraiment que d'ailleurs que je mette sérieusement à réserver un ticket pour la Gamescom parce que je pense que je vais tout à fait y aller en fait. Je pense que je vais tout à fait y aller. Je ne sais pas ce que c'est ce flingue. Ça a l'air d'être une mitrailleuse. Oh, joli tir Barbu! GG ça, joli tir. Pas très joli tir. Eh ouais, l'épée, on peut aussi la lancer, les gars. Lancer l'épée, for the win! For the win. Eh, ça va jouer au space dose.
Oh, faut que j'arrête de me faire avoir comme ça. La première fois c'était beau, la deuxième fois c'est un peu stupide. Ah, Seb contre Barbu. Ah, Barbu est tombé dans le vide. Du coup, victoire par défaut de Haseb. Barbu qui dit zut. En voilà un homme tout à fait bien élevé. Ouais, je t'avoue que le marteau, c'est pas nécessairement ma came. Je me suis fait trucider par Sikre. Il y a également trucidé Barbu. Il ne reste que Haseb qui est armé d'une grenade. Et je dois avouer que le combat de l'épée contre la grenade n'était peut-être pas aussi explosif que je l'aurais cru. Ah, on s'est visiblement entretué à gauche. C'est Barbu qui l'emporte. Je hais ce fusil également. Aïe. Je hais ce fusil. Un Freeman qui dit perso à part Doom, rien ne m'a excité. Ah, Doom a l'air rigolo. J'espère que sur PC, il sera un peu plus rapide, parce que la présentation qu'ils en ont faite était vraiment assez lente. Et je suis pas très fan des FPS qui bougent à de l'heure. Bonheur. Chut! Ah, GG à Seb, t'as bien géré la phase où t'avais pas d'armes et du coup tu m'as eu. Tu m'as eu. Ce qui m'arrange que très peu. Chut! Oh, joli coup de fusil de la part de Seb, une fois de plus. J'ai très mal lancé ma grenade. Ce qui est un peu problématique. Faut pas que je reste là, il y a un psychopathe avec un Tech 9 derrière moi. Ok, il y a également un malade avec un lance-grenade. Bah, je me suis fait défoncer par Sikre avec son Tech 9. C'est un Tech 9 que vous avez, les mecs, ça tire en automatique. Ok. On va jouer entre Haseb et Sikre. Haseb a perdu son arme, ce qui est rarement idéal. Oh, Haseb, il est en train de nous faire une remontée infernale, là, c'est impressionnant. Je crois qu'il a gagné genre 3 ou 4 rounds d'affilée. Hein. Barbu arrive à 4 points. Sikre arrive à 2. J'arrive à... J'ai gagné qu'un seul round là, donc j'arrive à 6. Je pense que Haseb m'a peut-être dépassé. Non, il est arrivé à égalité. Haseb a vraiment bien joué sur cette série là. Vraiment très très bien joué. Il a une bonne portée ce flingue en plus. C'est ça, entretuez-vous les mecs, ça me fait plaisir. Ça me fait tout à fait plaisir. Je veux dire. Ouh, cette map c'est le bordel. Oh là là, la belle esquive qu'il nous a fait Barbu là-dessus, c'était GG. C'était GG. Cela dit, ici vous avez pas des armes de ouf. Ouais, je crois que Barbu est bien parti pour l'emporter là-dessus. Il a l'air de jouer comme un dieu là sur cette map. Elle est vraiment curieuse cette map. Comme il y a des téléporteurs dans tous les sens, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Je crois qu'Haseb est désespérément en train d'essayer de trouver une arme valable. Ok, GG, victoire de Haseb une fois de plus. Haseb, il est en train de nous faire une montée infernale, là. Je crois que il va probablement être parti, les mecs... faire partie pardon, des mecs les plus dangereux sur le round. Ça tire de loin cette merde. GG, Barbu là-dessus. Joli mitraillage à distance. Joli mitraillage. Ah, je me suis tué avec ma propre épée comme un abruti parce que j'ai fait un lancer qui a ricoché. Voilà qui était tout à fait fâcheux. Manger les grenades dans la face! Manger les grenades dans la face, ça s'en est bien. Ça s'en est bien sorti tout ça. Ouais, festival international du lance-grenade. Oh là là, ce rebond qui nous a fait Barbu là, deux victimes avec une grenade. GG.
Ouais, j'aime pas cette map. Et... Barbu qui l'emporte, visiblement. Je suis vraiment pas fan de cette map. Allez. Ouais, j'ai réussi à échapper au premier tir de fusil à pompe. Ah, le suicide d'Assem. Le suicide d'Assem avec la grenade. C'était glorieux, je dois dire. Et... Cycre s'est fait beaucoup de potes, visiblement. Coin, 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 coin. On s'en est bien tiré là-dessus. Pas parfois c'est utile de temporiser un coup. Aïe, j'ai pris un filet dans la gueule. Cycre, il s'est ouné tout seul avec son lance-grenade. Et toi, t'es en feu, donc je vais te laisser mourir bêtement. Ce qui m'arrange beaucoup. J'ai touché absolument personne sur ce round, et pourtant j'ai quand même pris le point, ce qui est tout à fait utile. Barbu qui arrive à 8 points, il a bien joué sur cette série. Cycre qui reste à 2. J'arrive à 10. Est-ce que Haseb est à 10 aussi? Haseb est à 8, donc j'emporte une fois de plus le match. GG. C'était GG. Tout à fait GG tout ça. Tête vénère les gars, Alligator for the win! Regardez, c'est mon pénis qui a une tête d'alligator, ce qui est franchement peu idéal d'un point de vue logistique. J'aurais tendance à dire. J'aurais tendance à trouver ça un peu zarbi. On va se faire un petit dernier round pour se finir dans la gloire et la bonne humeur. Oh, Asep, c'est pas passé loin tout ça. Je me suis mouné avec ma propre épée en la balançant contre le ressort. Ce qui n'était pas idéal. Et nous avons Haseb qui a abattu Cycre de lance-froid. De sang-froid, pardon. Et j'ai pas d'armes, ce qui est évidemment pas à mon avantage. Oh, joli tir Haseb. Haseb, il est vénère aujourd'hui, les donc. J'ai. Sans moi, ça, les gars. Oh, la grenade sur le ressort, c'était magnifique. C'était magnifique. Une fois de plus, ça va jouer entre Haseb et Barbu. Haseb, je crois qu'il a trouvé son rythme, là. Je crois qu'il a trouvé son rythme. Cela dit, Barbu a probablement la meilleure arme dans les deux. Ouais, GG Haseb. Bien joué. GG. Ok, lance-grenade au milieu. Je vous le laisse, les gars. Ok. C'était dangereux, mais on s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti. Ah, je me jette dans le vide comme un idiot, ce qui est toujours idéal. Donc c'est Cycre qui emporte le round. Ouais, c'était absolument pitoyable ça. Ce gun-là, c'est un peu de la daube, honnêtement. Un peu de la daube. Hein. Cela dit, c'est mieux que rien. Et pour l'instant, j'ai rien, ce qui est pas idéal. Et donc, je crois qu'on a rarement eu un round où tout le monde survivait aussi longtemps. Ah, je me suis fait avoir. J'ai essayé de tuer Barbu en lui jetant mon épée à la gueule. Je crois que Barbu va buter tout le monde à l'épée, effectivement. Barbu a buté tout le monde à l'épée. Il a duré longtemps ce round, dis donc, c'est surprenant. J'ai déjà raté la grenade. Cette arme-là, c'est vraiment de la daube. Je peux shooter un mec au corps à corps et absolument rien toucher avec. Moyennement idéal. Ah,
Pas moyennement idéal. Ok. Ah, c'est pas mal. J'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles, mais je crois que je suis pas le seul à avoir ce problème à l'heure actuelle. Ah, joli, joli tir, c'est joli. Le tir. Et je me suis fait avoir par le lance-filet de Sikre. Vole, papillon, vole. Coin-coin. Coin-coin, mec, coin-coin. Ok, j'ai une fleur, je sais pas si ça sert à grand-chose dans l'absolu. J'ai également une grenade, ce qui est probablement plus utile. Non, attention, il y a un malade avec une tronçonneuse qui arrive. Y aurait-il une arme d'une quelconque sorte dans les environs? Ce serait probablement serviable. La tronçonneuse, ça m'enchante moyennement. Il passe à travers les vitres en plus, ce psychopathe. Va te calmer, oui! Oh, il m'a flingué en même temps! Si ça, c'est pas dommage! C'est pas dommage! Que je me suis jeté dans le vide avec le recul de mon lance-roquette. Ce qui est un peu dommage. Un peu dommage. Un escroc sur le chat qui dit « Mon frère m'a déjà vendu la Wii U, c'est pas mal, mais à petite dose. » Ouais, j'ai l'impression que Nazgûl, il est un peu à donf sur la Wii U. Je veux dire, Nazgûl, il est un peu à donf sur... Nintendo, j'ai l'impression, ces derniers temps. Oh, joli finish, les mecs. J'ai l'impression qu'il est... Il est un peu à donf sur Nintendo, là, ces derniers temps. Nazgûl. Alors, Barbu avec un point. Je crois que c'est surtout Asep qui a marqué là. Sikre avec 2. Moi avec 2. Je pense qu'Asep doit être genre à 4 ou 5. 3, ok. Moins que j'aurais cru. Moins que j'aurais cru. Capfreman qui dit mon perso ressemble vraiment à rien. Oui, c'est vrai que c'est un peu curieux, je dois avouer le. Le bug qu'on a aujourd'hui avec les munitions. Avec les masques, est un peu regrettable. Ok, ils m'ont échappé tous les deux. Vraiment faire gaffe au recul sur ce gun, s'il y a vraiment moyen de te foutre dans le vide. Je me suis foutu dans le vide là, c'est Sikre qui m'a eu. Ça va jouer entre Sikre et Barbu, c'est... Ah non, c'est Asseb. Et Asseb, c'est Asseb qui l'emporte. Je pense qu'Asseb est bien parti pour gagner cette manche. Il a vraiment bien joué là. Il a vraiment très très bien joué. Et ça c'est moins rentable que je l'aurais cru. Et on a eu Barbu, ce qui était tout à fait rentable. Ok, je commence pas au meilleur endroit, hein, à côté d'Asem avec un space 12. Et ça va se jouer contre Barbu. Oh, joli tir, Barbu, joli tir. Cela dit, t'es tombé dans le vide, je crois que t'as pas ramassé de points là-dessus. Ce qui est un peu regrettable. Et... Oh, j'ai failli me prendre une balle dans le fion. J'ai failli me wounner avec ma propre grenade également, mais... Pas comme si on n'avait rien vu. Oh, joli tir de ma part, là. Je coin-coin pour célébrer ça. Bah tout le monde est mort. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que cela. On va pas rester là, si possible. Attention à Asseb, je crois qu'il a une grenade. J'ai lancé une mine dans le vide, ce qui était
moyennement idéal. Et je me suis honné tout seul avec mon lance-filet d'une manière que je m'interroge un peu. Joli lancé de mine, mon vieux, joli lancé de mine. Lancé de mine, donc ça va jouer entre Barbu et Haseb. L'histoire a montré que Haseb était assez vénère sur ce round, mais Barbu est également assez doué, donc Haseb une fois de plus. Je pense qu'Haseb va probablement... Je pense qu'Haseb va probablement l'emporter. Attention à la personne. Ok, là je suis un peu dans une prison tout à fait infernale. Et on s'est fait double shotgun par Haseb. C'est pas idéal. Ah, c'est vraiment le random sur ce round. C'est vraiment très très random. Ce flingue avec les tirs qui rebondissent dans tous les sens là, c'est... On va reprendre les lance-filets. J'ai plus de filet. Non, laisse-moi tranquille. C'est jeté dans le vide avec moi. Là qui est tout à fait dangereux. Et toi, tu as explosé. Ah, Seb, il est vraiment en train de nous massacrer là-dessus. Vraiment en train de nous massacrer. Restez là. On m'a volé mon gun. Ok. Ah, Barbu, je sais pas ce qui est arrivé. Ah, il y avait le magnum qui te tire dans la tête qui est droppé. Je pense que... Je pense que Haseb est probablement déjà très proche de la victoire, là. Il a vraiment massacré tout le monde. Yep. Haseb déjà à 8 points, je pense que ça va être pas très problématique. Très très problématique de rattraper Haseb là-dessus. Oh, je vais me flinguer avec ma propre grenade, ce qui est toujours une riche idée. Ah, Haseb s'est foutu le feu tout seul, donc c'est une question de temps uniquement pour Sikre qui va l'emporter sur ce round. J'ai balancé mon flingue, ce qui était vraiment pas une bonne idée. Je le kiffe ce magnum, c'est un truc de ouf. Il y a que si mal dedans, mais il est vraiment excellent. Tire à travers les portes en plus. Je suis là. Barbu, c'est le maître de l'esquive, j'ai remarqué. Oh, cette grenade là! Cette grenade, les mecs! Vous êtes impressionnés? Si vous êtes pas impressionnés, je suis impressionné tout seul. Je préfère acter vite avec le minigun si tu veux tout savoir. J'ai plus de balles. Minigun, j'en suis moyennement fan en fait, s'il a le gros problème de te ralentir à max. Ce qui est moyennement idéal dans l'absolu. Ouais, j'ai eu Haseb, mais j'avais plus de balles, donc j'étais défoncé. De toute façon. Arcicre. Ah, c'est vraiment de la merde ces flingues. Vraiment de la daube et je me suis jeté dans le vide. Ce qui est un peu regrettable. Un flagrant qui dit c'est pour ça que j'aime bien la chaîne de Choca, tu vois tous les genres de jeux à part les jeux de foot. Mais bon, Osef. Ouais. D'ailleurs, le foot c'est pas vraiment ma cam donc. Ouais, si Electronic Arts se sortait les doigts du fion et mettait les jeux de NHL sur PC, peut-être que je montrerai également des jeux de NHL. Ok, je trouve ça rigolo. Et le foot, ouais, c'est vraiment pas mon truc. Je les tire, t'as dégainé plus vite que moi. J'aurais pas dû recharger. J'aurais dû bouger et aller prendre la grenade, je pense.
Je sais même pas s'il a pris le point là-dessus, Nilank. Oh, ça, ça va être folklorique. Eh bah, tu t'es tombé tout seul, mon vieux. Ça m'arrange beaucoup. Ça m'arrange beaucoup. Docteur Chicken qui dit, ouais, c'est cool, la NHL. Ouais, il paraît que le dernier épisode était à chier, mais... J'aimerais bien quand même avoir l'occasion d'y jouer, quoi, merde. Bien avoir l'occasion d'y jouer. Stado qui demande hypé par Cuphead. Cuphead, c'est typiquement le genre de jeu où je comprends pas comment les gens ont débarqué si tard. Ça fait un milliard d'années que je le suis, ce jeu, et soudainement, le 3, tout le monde a décidé que c'était une nouveauté alors que c'en est absolument pas une. Je crois que ça fait genre 2 ans qu'il est dans ma liste d'attente sur Steam, Cuphead. Une fois de plus, c'est une belle démonstration du fait que les gens qui travaillent dans ce milieu sont tellement obnubilés par leur AAA qui passe complètement à côté de tout ce qui est pas annoncé dans une conférence E3. Le manque de compétences dans ce milieu est vraiment assez infernal d'un point de vue de ce que j'appellerais l'attention. La maintenance. Je pense que Haseb l'a probablement emporté là-dessus. Donc j'ai marqué pas mal de points là, c'est déjà ça. Il a très bien joué à Seb, il mérite tout à fait, sa victoire. Il nous a vraiment pulvérisé en début de partie. Il nous a bien éclaté. Ok, donc on va s'arrêter là sur Duck Game. J'espère qu'ils corrigeront ce bug avec les masques qui certes ne gêne pas le gameplay mais qui est quand même un peu problématique d'un point de vue lisibilité, j'aurais tendance à dire. On va enchaîner sur Sonic Vroom Vroom. Donc si jamais vous voulez participer sur Sonic Vroom Vroom, vous pouvez commencer à lancer le jeu. Comme d'habitude sur Sonic Vroom Vroom, vous pouvez rejoindre grâce au groupe Steam Shoka à Quartz. Je vais lever l'overlay Superlay et on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite.